Technologic. Buy it, piece it, break it, fix it, trash it, change it, now upgrade it, charge it, on it, feel it, press it, snap it, work it. C'est ce que fabrique depuis 2 ans à Mulhouse cette petite start-up, Spinali Design, qui a fait un buzz au Salon mondial de l'électronique à Las Vegas. Marie est la créatrice de ces maillots de bain branchés. C'est un capteur solaire qui est relié à une application dans laquelle on va répondre à un certain nombre de questions. Donc le type de peau, la crème solaire utilisée, l'endroit où on se trouve. Et à partir d'un certain moment, par exemple pour moi, au bout d'une heure, on va me dire « attention, il faut vous remettre de la crème solaire ». Ce bikini connecté coûte 169 euros. Autre innovation, ce jean 100% Made in France, vendu 149 euros. Équipé de capteurs dans les poches, il vibre à droite ou à gauche en fonction du trajet effectué. Une sorte de GPS porté à même le corps qui a des avantages. Pourquoi avoir du son quand on est seul, avoir son téléphone qui parle? Bah justement, en fait, là, c'est se décrocher en fait, de son téléphone. En fait, c'est être connecté tout en étant déconnecté, si vous voulez. Bah, du coup, là, on a vraiment cet avantage de pouvoir tout regarder, tout voir autour de nous. Les robes ont aussi des capteurs dans l'ourlet et permettent d'envoyer des courriels à distance ou encore... Il y a aussi une autre fonction qui est un peu marrante, c'est la fonction porte-moi. Donc en fait, cette robe, quand elle va voir qu'elle n'a pas été utilisée pendant un bon moment, en fait, elle va vous envoyer un message sur votre application en vous disant « ça fait un moment que tu ne m'as pas porté, il serait peut-être temps de me ressortir ». Certaines personnes pensent que c'est futile, d'autres personnes pensent que c'est ludique. On va revenir sur le bikini qu'on a vu dans le reportage et qui est là dans le fond du plateau, que vous n'avez pas voulu mettre. Désolé, c'est un peu froid pour moi. Première étape dans les vêtements connectés. Spinali Design ne compte pas s'arrêter là d'ailleurs, Marion. Voilà, c'est vrai, ils sont en train de travailler actuellement sur une nouvelle technologie avec le commissariat à l'énergie atomique de Grenoble pour justement, donc on l'a vu, le bikini a un petit capteur à l'avant qu'on sait enlever, mais là ils voudraient vraiment intégrer ces capteurs dans les tissus du bikini. Alors ils travaillent sur d'autres options. Ici on l'a vu, c'était pour la crème solaire, pour envoyer un petit rappel, mais ils travaillent sur une option pour justement avoir une géolocalisation. Comme ça, si votre enfant se perd sur la plage, bah, vous pouvez le retrouver un peu plus facilement. L'enfant qu'il faudra habiller en bikini ? Ou en maillot, si c'est une fille, pourquoi pas. On l'a vu dans le reportage, les vêtements du futur pourraient réellement avoir un intérêt médical. On a 2-3 exemples à présenter aussi. Voilà.